Quel youtubeur as-tu choisi, Yannick? Eh ben alors moi j'aime évidemment tous les youtubeurs, hein, pourquoi me froisser avec eux, mais j'en aime un plus particulièrement qui s'appelle Seb Lafrite sur YouTube. Alors c'est un youtubeur de ouf. Hein. Ah, eh ben juste avant que tu nous en parles, ouais, on va regarder un petit extrait d'une de ses vidéos. Que j'ai choisi. Que tu as choisi. Enchanté, Seb Lafrite, je viens pour postuler, mais quelle question postulat, bien sûr que je suis là pour le fric. Passer le palier du million, c'est systématique, on te met dans le panier des bouffons qui sucent pour des clics. Ouais, tu es fan d'un gars qui se filme dans sa chambre, si je fais mon clip au shot, je vais devenir une légende. Voilà, alors Yannick, maintenant, déjà, top chrono, tu as une minute déjà, pour nous convaincre. Déjà, il a pris un rappeur, donc bravo. Hein, non, pas du tout le thème. Seb Lafrite, il fait des vidéos humoristiques, mais justement, pas que. Seb Lafrite, il sait faire de l'humour, il sait faire des situations, il sait faire des face cam, il est vraiment très drôle. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi cette vidéo. Il a plus de 2 millions d'abonnés, 169 millions de vues sur sa chaîne YouTube. Ouais, ouais. Il sait faire rire. Il a 72 vidéos en ligne, et ça, je dis bravo parce qu'il n'enlève pas ses vieilles vidéos, oui, comme mais... certains youtubeurs qui n'assument plus ce qu'ils ont fait auparavant. Je suis d'accord. Justement, il fait de l'autodérision sur lui-même. Et il a beaucoup d'humour, ce jeune homme. Tu as fini? Mais non, mais on peut me poser des questions parce que je vais pas faire... D'accord, et bah moi j'ai une question. Il vient d'où, Seb Lafrite, pour voir si tu le connais bien? Périgueux. De Périgueux? Non, c'est vrai, comment tu sais Périgueux? Mais les gars, je connais Seb Lafrite. Ah, attention, le grand retour de Yannick l'enquêteur. Mais allez, oui, c'est parti. Quel âge il a? Quel âge il a, Seb? Je pense qu'il doit avoir... Seb, je le connais pas du tout, hein, le gars... Ah, tu le connais? Je pense qu'il a 20 ans. Non, il a 19 ans. 19 ans, c'est ça, il fête ses 20 ans, là, bientôt. Quand ça? Quel jour. Top. Voilà, ça fait une minute pile, merci. Ouais. Yannick. C'est très solennel, hein, le C'est très solennel, clairement. Tout de suite, Ryan va nous parler de son youtubeur. Et oui, vous allez voir, vous allez nous le dire sur le hashtag Reward même, lequel vous préférez entre Seb Lafrite et le youtubeur de Ryan. Je préfère vous le dire, j'ai déjà gagné, c'est Mister V. Voilà. Wow, d'accord. Voilà. Et ben, juste pour ceux qui connaissent pas Mister V, on va regarder un petit extrait d'une de ses dernières vidéos. Voilà, alors Mister V, Ryan, top, tu as une minute. Alors de qui parlons-nous? Déjà, Mister V, c'est quoi? C'est 3 millions d'abonnés sur YouTube, 2 millions sur Twitter. Alors, à côté de Seb Lafrite, c'est quand même, il faut le savoir, le premier à faire des face cam en France. Mais mec, c'est des facile. Des vidéos au mur, c'est le premier. Quand t'es entouré d'une troupe aussi. Hein. Mais il est entouré de personnes. Il était entouré de personnes, monsieur l'inspecteur. Partir, hein. Et puis, en plus, il a inspiré beaucoup de monde, dont... un certain Matt Podcast qui est là, il a inspiré beaucoup de monde, c'était le premier tout simplement. Et il est polyvalent, il fait du stand-up, il fait du cinéma, là il a tourné pour Camping 3 et pour Pattaya avec Eric, avec Ramzy. Avec Franck Gastambi. Franck Gastambi, etc. C'est le roi de la parodie, c'est le youtubeur le plus drôle, il collabore avec des Américains. Hein. Seb Lafrite, il a fait des trucs avec des Américains. Mais oui, il fait des vidéos pour les States. Ah oui, merci Ryan, on va faire... une chose pour vous départager, les amis. Je vais vous poser une question. Vous allez chacun me répondre. Ah, attends, parce que moi, on me piège en posant des questions sur son âge et tout ça, et à Ryan, on pose zéro question. Non, mais... quel âge a mis Servi? Mais il a 23 ans, monsieur. 24, voilà, 33. Si, 23, 24. Ah, voilà. À votre avis, qu'est-ce qui fait que les gens regardent ce youtubeur en particulier? Tu commences. Pour Seb Lafrite. Bah, il a su grandir avec son public. Il s'adressait à son âge, il grandit avec son public, il fait des vidéos beaucoup plus intéressantes avec l'âge et c'est pour ça que les gens aiment sa tête. Merci Yannick. Et toi Ryan? Pour sa tête, tout simplement, parce que tu le regardes, tu rigoles. Voilà, bah, tu viens de perdre sur cette réponse. Non, du tout. Eh bien écoutez, moi je vais faire un vote. Voilà, je vais dire mon avis par rapport à eux deux et dites-nous dans les commentaires et sur Twitter, pardon, je me perds. Avec le hashtag Reward. Avec le hashtag Reward, exactement. Yannick, tu as perdu! Tu as perdu! Eh oui! Je donne un point à Ryan pour ma part. Je suis désolé. Allez, place à la manche de tout. Parce que t'adores Seb Lafrite, c'est ça?